mot d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. L'âme de pureté, venue de... C'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des Maîtres des Cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Revali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... là-haut? Ah non! Suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Oh.
Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine... C'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi ? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement ? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame ? Est-ce que tu l'as déjà entendu ? J'ai quand même une réputation à tenir, moi. Manquerait plus que le grand Daruk se laisse distancer par les autres prodiges. Admire un peu cette vue. J'aime contempler ces arêtes et ces rochers rugueux. Rien que de les voir, ça me met l'eau à la bouche. Je sais pas qui est ce Ganon, mais je suis sûr d'une chose. S'il veut toucher à ces terres, il faudra déjà qu'il passe sur le corps, hein ? Tiga ! Au fait, dis-moi, c'est le roi en personne qui t'a nommé chevalier servant de la princesse, pas vrai ? Eh ben t'en as de la chance. C'est un honneur. Bon, c'est vrai, la princesse, comment dire, elle a pas un caractère... facile, facile. Surtout avec toi. Hein ? C'est quoi ça ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? La montagne de la mort est restée parfaitement calme pendant des décennies. Pour que la terre tremble aussi fort, ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Non, c'est pas possible.
Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Oh. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. Et cesse de me suivre à la fin! Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacé. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Hmm? Ah. Ah, Urbosa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Quoi?
Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Mais tu devrais peut-être faire plus attention. Tu as beau être fort, tu n'es pas immortel. Les rapports récents indiquent que les monstres se font chaque jour plus agressifs, et que des espèces encore plus redoutables font leur apparition. C'est inquiétant. Se pourrait-il que ce soit là un signe annonciateur de la résurrection de Ganon ? Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera. Celle-ci aussi, et celle-là, là-bas. Les fleurs d'Hyrule ne se contentent pas d'être belles. Ce sont aussi des matériaux de premier ordre. Oh. Celle-ci, c'est une princesse de la Sérénité. Son espèce est menacée, malheureusement. Depuis quelque temps, nous les cultivons intensivement pour tenter de les sauver, mais leur nombre ne semble pas augmenter. Après tout, la princesse est peut-être vouée à disparaître. Hélas. Oh ! Tiens, regarde ça ! Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. Nous menons justement une étude sur les gens de la cour pour déterminer son efficacité. Fort comme tu es, tu ferais sûrement un cobaye exceptionnel. Il faut absolument que tu y participes. Allez, fais A.
c'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite. Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand... quand nous étions tous les deux des enfants. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père, tu t'es entraîné durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée. Mais qu'on ne cessait de te répéter, depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier, se doit de devenir chevalier lui-même. Si on t'avait répété ces mots toute ta vie. Dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin ?
Comme c'est grisant. Nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens. À ce rythme-là, nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines. Nous aurons alors toutes les chances de notre côté. Nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu. Que faites-vous ici? Nous observions les gardiens. Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon, il nous faut tout savoir de ces reliques. Je vois. C'est tout à fait exact, en effet. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume. Cependant, vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse d'Hyrule. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités? Je ne m'y soustrais pas. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Je l'ignore. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Incroyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris? Oui. Le pouvoir du sceau. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Pourtant, ma mère me parlait d'une force mystique qui l'habitait et des voix des esprits qu'entendait ma grand-mère. Mais moi, je ne ressens ni n'entends rien de tout cela. Mon père m'a maintes fois réprimandé à ce sujet. Ce n'est pas en perdant votre temps à jouer les chercheuses que vous éveillerez votre pouvoir. Seulement, j'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre et implorer la terre foulée par les anciens dieux, le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté. Alors, dis-moi, que puis-je faire de plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Oh.
Tu sais, tu avais raison pour mon cheval. Avec de la patience et de la douceur, tout va beaucoup mieux. Nous arrivons à nous comprendre désormais. Nous allons finir par devenir de vrais amis, lui et moi. Comme il est docile à présent. Moi qui étais si sûre qu'il n'accepterait jamais le harnachement royal. Je m'étais bien trompée. Regarde, il s'y est habitué, non? Comme quoi, quand on se met un peu à la place des autres, ça change vraiment tout. C'est la montagne de l'Anel, là-bas. Elle tire son nom de celui de la déesse de la sagesse, Nehiru. Tu connais la coutume, bien sûr. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. C'est l'âge de la sagesse auquel chacun peut fouler les terres de la déesse sans l'offenser. La source de la force, la source du courage, aucune des deux n'a pu éveiller mon pouvoir. Mais peut-être... peut-être que si je vais là-bas, à la source de la sagesse, cette fois... Je me fais peut-être des idées, mais ça ne fait rien. Tant qu'il restera une chance, si infime soit-elle, je dois y croire jusqu'au bout. Demain, j'aurai 17 ans. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. Alors, racontez-nous, princesse, comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Toujours rien, n'est-ce pas? Pas de pouvoir du sceau. Pardonnez-moi. Allons, madame. Vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du sceau. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Merci, Urbosa. Votre Altesse... Hein? C'est un peu difficile à expliquer. Voilà,
je me suis demandé... Je me suis demandé à quoi je pensais quand... Quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison. Eh bien... En fait, je... C'est lui. Il s'est éveillé. Vous inquiétez pas, princesse. Moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. Dès que Link engage le combat contre Ganon, on fait feu comme un seul homme. Tiga, toi, tu vas au château d'Hyrule. On sera là pour te couvrir. Alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté. Allez, venez, madame. Vous devez vous mettre en lieu sûr. Pas question. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours. Mais... Je veux au moins rester à vos côtés. Avons-nous pu en arriver là? Les créatures divines, les gardiens, retournés contre nous. Impossible. Je n'arrive pas à croire que Ganon les ait corrompus. Tarouk, Revali, Mipha, Urbosa, tous prisonniers de leurs créatures. Nous avons perdu les seules armes qui auraient pu l'arrêter. Et toutes ces recherches, tous ces efforts, n'auront servi à rien du tout. Et maintenant, tous ceux qui me sont chers, mon peuple, mes amis, mon père, tous sont péris à cause de moi. Je n'ai rien fait. Thank you.
Arrête! Je t'en prie, ne te sacrifie pas pour rien. Sauve-toi! Il n'est pas encore perdu. Link peut encore être sauvé. Votre Altesse ! Votre Altesse, vous êtes sauve. J'ai une mission à vous confier. Emmenez ce garçon au sanctuaire de la Renaissance. Hâtez-vous ! Emmenez-le avant que sa flamme ne s'éteigne. Link. Link. Tu
te souviens à présent. Tu as retrouvé tes souvenirs des moments que nous avons partagés il y a 100 ans. Je suis là, au château d'Hyrule. J'attends le jour où tu me rejoindras pour libérer le royaume de Ganon. Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule ? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici ? Voilà, je... Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas ? C'est vrai.